Hugh Grant, 64 ans et 5 enfants, je dors souvent dans la salle de bain maintenant. Être père sur le tard n'est pas toujours facile à assumer. Mais être père tout court non plus. Hugh Grant, âgé aujourd'hui de 64 ans, a connu la paternité pour la toute première fois il y a 13 ans, à l'âge de 51 ans, avec la naissance de sa fille aînée Tabitha, issue de son union avec Ting Lanhong. 2 ans plus tard, le couple accueille Félix, mais se sépare dans la foulée. L'acteur britannique fait ensuite la rencontre d'Anna Eberstein, qui deviendra son épouse et la mère de ses 3 autres enfants. Hugh Grant est alors à la tête d'une fratrie de 5 bambins, dessinant les contours d'un quotidien rythmé, épuisant mais résolument épanouissant. La star de Coup de foudre à Notting Hill a admis ce jeudi 14 novembre dans l'émission The Kelly Clarkson Show qu'il ressentait beaucoup de peur, en tant que père de 5 enfants. S'il évoque notamment le bruit incessant que peuvent produire autant de petits corps. Il avoue se réfugier de temps à autre dans sa salle de bain pour trouver le calme. « Je dors souvent dans la salle de bain maintenant. » plaisante-t-il, mais de ça, il n'en retient que le bonheur. Le bonheur de pouvoir être quotidiennement à leur côté. De pouvoir leur donner une éducation et du temps. « Je rentre à la maison ce soir et, vous savez, avouons-le. J'aime le moment où ils vous sautent dans les bras. Ma petite fille de 6 ans appelle ça le « câlin de chimpanzé » et j'aime beaucoup ça. » raconte-t-il très ému. Pourtant ce n'est pas la première fois que l'acteur évoque sa paternité, même s'il utilise souvent le prisme de l'humour pour l'aborder. Il s'était qualifié de « vieux père » dans une interview donnée à People en décembre 2023. « Je ne m'amuse pas du tout. » avait alors plaisanté la star de Love Actually. « Je suis submergé par les enfants. » Quelques années plus tôt, en 2020. Épuisé après la naissance de sa fille âgée de 2 ans à l'époque, il avait expliqué « survivre d'heure en heure ». En tant que « vieil homme avec de très jeunes enfants et une femme très fatiguée ». Mais une nouvelle fois, l'immense bonheur d'être père a su prendre le dessus pour que le Britannique change sa vision de lui-même, le faisant passer de golfeur d'âge moyen à moitié atrophié, à un homme dont la vie est pleine d'amour.